Précédemment, dans QDF, on s'est déplacé à 5 heures de chez nous pour affronter le FC Chamalières, une équipe relégable de notre championnat national 2, mais qui est réputée pour être difficile à jouer chez eux. Malheureusement, le début de match a été difficile puisqu'on a pris un but assez rapidement en première période. On a ensuite tout tenté pour revenir au score. Et on a réussi à égaliser à 15 minutes de la fin. Mais à la dernière minute du match, Chamalières sont repassés devant. Une défaite vraiment très très difficile à digérer qui nous classe à la 10e place. On se doit donc de réagir dès cette semaine avec un énorme choc qui nous attend face à la nationale de Daubagne au 7e tour de la Coupe de France. Un match décisif avec à la clé en cas de victoire, une chance de peut-être jouer la Ligue 2 de Bastia. En parlant de la Coupe de France, juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler du sponsor du jour que vous connaissez très bien puisque c'est Coupe de France Explore. C'est vraiment l'application destinée à tous les fans de la Coupe de France et des jeux digitaux. Le concept, il est super simple. Vous participez en fait à des mini-jeux en réalité augmentée qui sont répartis sur des milliers de points d'intérêt partout en France. Tout ça dans le but de gagner plein de récompenses comme par exemple les fameux maillots de la Coupe de France ou encore des places pour les matchs. Par rapport à l'année dernière, en plus, le design graphique de l'app, il a été entièrement repensé et améliorer. Également, il y a un nouveau personnage animé qui a été ajouté pour incarner le joueur. En plus des mini-jeux, il y a également des arènes qui ont été ajoutées et réparties partout en France pour créer une compétition supplémentaire. Le joueur qui obtient le meilleur score, en gros, il devient le maître de l'arène jusqu'à ce qu'il soit battu par quelqu'un de meilleur. Je suis le maître du monde! Chaque ballon gagné est reversé directement à votre club favori qui concourt pour gagner un maximum de récompenses. Du coup, c'est vraiment une tuerie puisque ça permet d'aider les clubs que vous kiffez. Enfin, plutôt le club que vous kiffez puisque, bien entendu... En Coupe de France Export, quelle équipe ils doivent soutenir? Évidemment, le TAG. Le TAG? TAGG? Le Thonon et Vian Grand Genève. Quelle grosse équipe. Thonon et Vian Grand Genève. FC. C'est qui ça? Football Club. Et pour doubler vos points, vous pouvez le faire en allant voir directement vos équipes favorites. En gros, ceux qui se rendent au stade pour aller voir l'équipe jouer, bah, tout est doublé. Encore un grand merci à la FFF. Je vous invite à télécharger l'application Coupe de France Explore qui est dispo sur iOS et Android. Tout est dans la description comme d'habitude. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. On doit se remettre au boulot très sérieusement suite à cette désillusion là face à Chamalières. Et il va justement falloir aller gagner en Coupe de France. On va parler hier, parce que je pense que le staff avait peut-être des choses à vous dire. Ce week-end, j'ai vu deux fois le match, j'ai regardé encore une fois hier. Et aujourd'hui, le réel, c'est la Chamalière, une équipe qui n'avait pas gagné un match à domicile, qui nous a épluché comme un oignon. Vous l'avez revu pour certains? Ouais. Donc vous êtes capable d'en parler? On est tombé dans le piège, en fait, on a joué le jeu qui voulait pas jouer. Il y en a d'autres qui sont capables de parler du match? Ben là, votre silence m'indique déjà qu'on n'a pas beaucoup de leaders. Vous pensez qu'aller en national, on va attendre, ça se trouve, on aura de la chance, et puis on va y arriver. Vous pensez que c'est ça, peut-être? Ben, pas du tout. 5 points, c'est rien, on peut revenir. L'année dernière, on avait 11 de retard. Cette année, c'est pas l'année dernière. C'est pas l'année dernière. Il va falloir faire un peu plus que ça. Qu'est-ce que Chamalières pensez-vous avant que vous arriviez à Chamalières? Effectivement, Chamalières, ils se sont dit, les sénateurs, là, regarde, ils veulent le ballon, on va leur laisser le ballon. On n'a rien à foutre qu'ils y volent. Par contre, on va leur faire mal. Parce qu'ils aiment pas salir leur tutu. Si on court plus qu'eux, on va les emboîter. On le savait. Mais on le sait, mais on court pas plus. On le sait, on s'engage pas plus. On le sait, on gagne pas plus de duels. Je vous dis, c'est... pas possible si vous n'êtes pas réaliste sur ça. Vous pensez que la volonté suffit? Enfin, de dire je le veux. Non, c'est pas je le veux. C'est est-ce que vous êtes réaliste encore là-dessus? Quel sacrifice il va falloir que je fasse? Quel effort il va falloir que je fasse mentalement, physiquement? Est-ce que je suis prêt à me sacrifier, à avoir mal? Si à chaque match vous sortez, vous n'avez pas eu mal, on ne peut pas gagner un match. C'est impossible. J'aimerais voir émerger des vrais leaders. Des mecs qui vont emmener tout le monde vers la douleur pour aller chercher quelque chose. Ben là, si vous voulez le trophée, là, faut aller le conquérir. Si vous attendez qu'il vienne, il viendra pas. Vous allez le regarder et vous allez voir à la fin de l'année, les autres lever les bras. Alors, est-ce que vous êtes capable d'aller dans la douleur, aller se faire mal pour un résultat? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est du haut niveau. Ça, c'est des grosses équipes.
Ça, c'est les bonhommes. Alors, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous. Prenez conscience des réalités. Alors, si vous êtes fait pour gagner, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Avez-vous des questions? Bon, bah alors, les gars, à vous de jouer. Allez, deux secondes, les gars. On s'est fait gronder, c'est normal, ça fait pas plaisir. Mais à un moment donné, il faut aussi avoir de l'orgueil. Ah, ça sert plus à rien de parler, sortir de là, de dire ouais, il a raison, il a pas raison. Fermez tous vos bouches, mettez-vous tous au turbin. Si vous allez mettre de l'agressivité, mais demain pareil, dans une semaine pareil, dans 15 jours pareil, dans 3 semaines pareil, dans un mois pareil, jusqu'au dernier entraînement, à la dernière minute, il va falloir mettre ça. Je vais aussi augmenter le niveau, je sais faire là-dedans. Je suis content d'être avec vous parce que putain de Sarah, c'est un groupe incroyable de bonhommes. Mais par contre, je vais plus vous faire cadeau sur terre. Mettez vite le bleu de champ, tous autant que vous êtes, du plus ancien au plus jeune. Le premier qui traîne la patte, je lui casse la tête. J'estime être juste. Par contre, des fois, on m'aime pas parce que justement, je dis des vérités et forcément, quand on dit des vérités, ça fait pas plaisir. Maintenant, si on monte pas, c'est parce qu'au-dessus, c'est meilleur que nous. Parce que putain, vous en avez les moyens. Ce qui me rend le plus fou, c'est que vous en avez les moyens. Parce que pour gagner des matchs, en National 2, en National, d'abord mettez vos couilles sur la table et après le talent vient après. Le talent vient après. Soyez des courageux, le sang dans la bouche. Je ne vous demande même pas d'être au-dessus là. Et le talent fait le reste. Pour moi, le sang dans la bouche bat le talent. Le sang dans la bouche bat le talent. Mais dans tous les sports. Dans tous les sports. C'est important pour vous et votre futur. Vous et votre futur. C'est bon ? Allez, parti. Allez. Alors, cet exercice-là, on l'a déjà fait. On marque, il se passe rien, tu te replaces, tu marques pas, t'as un duel qui arrive. On l'avait fait 1-1. Cette fois, on va le faire 2-2. Les gars, tant que je siffle pas, le duel continue. D'accord? On est bon? C'est parti! C'est parti! Défendez! Défends! Allez, bien joué! Allez, duel! Allez! Allez, encore! Jouez! Bien joué, Ouaz! Bien joué, Joe. Allez, bagarre-toi, Pascal, sans faire faute. Pas de faute, Pascal. Sois malin, sois malin. Voilà, Pascal. Bien joué, Hugo. Bien joué, Hugo. Bien joué, mon gars. Ouais, Elias, défend. Joue. Bien joué, voici. Voilà. Faut que tu défends. Encore! Jouez! Sois malin! Allez, va, Baptiste, va! Allez, va, mon grand! C'est ça, les gars! Pour un premier passage, c'était bien. Maintenant, ce que je vais vous demander, plus d'intensité quand vous donnez un ballon accompagné. S'il marque, je suis quand même là, tant mieux. Je suis plus prêt pour fêter avec lui. Hein ? C'est parti, changez de côté. C'est bon. Bravo, garçon. Vous la connaissez, celle-là, le travail la semaine dernière, ça là. Hein ? Allez, soyez malin. Bien joué. Encore balle. Oui, bien joué. Allez, bagarre. Encore, jouez. Jouez! Bravo Pascal, encore! Faut que tu fasses des duels quand même! Bravo! Ah, dommage! Ouais, jouez! Allez, va, Wayne! Fais pas de faute! Joue! Lève-toi! Baptiste, sors! Jouez! Enlève le sourire! Et jouez, Baptiste! Venez là! C'est à toi! Vas-y! 23 pour les bleus! Bravo les bleus! Franchement, c'est nous, on avait plus de buts. Il n'y avait même pas combat. 20-13, mais je pense qu'il y a 50-13. Mais au calme, c'est pas grave. Et Colis, ouais, direct, c'est mon chouchou.
Bon, petit souci, vous savez, le complexe, il est en plein milieu des champs de la forêt, limite. Et hier, on a vu une petite souris, un petit mulot, je sais pas, qui est rentré, qui fait que tourner de partout. On va essayer de le capturer et de la remettre en liberté, mais c'est pas gagné. Les gars, c'est très simple. Val, regarde, ouais. Comment on va s'organiser? Ça, c'est notre bureau, d'accord? Ouais, okay. Donc, Anto, il a mis le carton. Hugo, il est là avec la bassine. Anto, il est là en sentinelle. Attention, attention, Hugo, qu'elle passe pas ici. On est bon? Sinon, alors, viens. Voilà. Attention, elle est là-bas. Je vais l'amener. Fais gaffe, elle est devant. Attends, non, mais pourquoi tu l'as fait? Attends. Attends, mais elle va sauter. Non, non, elle est passée. T'as les boules. Allez, salut. Ça vient arriver les pompiers. Attends, prends la bassine. Prends la bassine. Prends la bassine. C'est bon, elle est dans la chaussure. Dans la chaussure. Attends, mais là, on peut que la niquer. Attends, il en faut une autre. Là, déjà, elle peut plus sortir. Et là, elle pourra que être là. T'es sûr, elle est dedans? Bah, pas sûr, en fait. Non. 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 Jamais de la vie, elle est dedans. Bah non, c'est impossible. Hop, elle est là. Elle est dans l'autre. Mais les gars, vous êtes quoi? Putain. Hop, c'est bon, on n'en parle plus. Ouais. Elle arrive pas à sortir. Mets un truc par-dessus. Attends. Elle est blessée, les gars. Elle est blessée? Elle est blessée, là, quoi? Regarde. Ah, elle est blessée. Voilà. Tu vois? Après réflexion, il décide de la garder quelques jours le temps qu'elle aille mieux. Voilà. Donc, tu sais ce qui va être le plus important maintenant? C'est de la faire rentrer de là. Ouais, dans le plus dur. Pas le plus... Enfin, à, oui. À de là. Ouais. Fifi, t'as peur de prendre la souris dans la main, toi? Pour la prendre et la mettre là. C'est une souris. Bah justement, c'est une souris, pourquoi tu veux pas le faire? Dans le sud, y a pas de souris. À Marseille, les rongeurs sont de plus en plus visibles et de moins en moins méfiants. Là, on est bien. Elle va être top, hein. Fifi! Elle va vite faire le tour. Tout est prêt. Est-ce que tu veux une paire de gants? Oh bah avec des gants, tout le monde peut le faire. Ah bah tiens. Non, mais... Gants alpha. Non, mais là, tu risques de l'écraser. Attends, bouge pas, elle est là. Attends, mais c'est quoi, elle est dans les sacs? Elle est là. Attends, elle est prête. Donc si tu prends la, elle est prête. Là, une fois que je l'ai, prends-la franchement. Attends, j'ai mieux. On ferait pas un parc fermé. Parce que là, si elle s'échappe, elle va où elle veut. Donc venez, on fait le parc fermé, comme tout à l'heure. Là, on a fait. Elle peut passer dans ce truc, cette connasse. La remplissez pas, qu'elle sonne pas non plus. Allez, la fifi, allez. Enlève toutes les affaires. Je l'ai. Voilà. Yes. Sauve la vie, ma belle. Elle est blessée. Oh, regarde, elle mange. Regarde ça. Opération. On va libérer Mr. Jingle, qui est vraiment capturé par Max. On va laisser Hugo se charger de ça. Il a jamais connu. Pas du tout. Non, je te... Si, alors déjà, Mr. Jingle, c'est moi qui ai sorti le nom. Je te jure, c'est moi. Quand t'étais même pas avec nous, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui... La première... Elle a... Quand elle courait... Ouais. Quand elle courait dans le vestiaire. C'était pas ça. C'est sa cousine. Souviens-toi. Ouais, la cousine. Impossible. Elles ont les mêmes yeux. Oui, c'est la cousine. Si, c'est pas la même taille. Elle a la même queue, pour toi. Ouais, on aurait dû la mettre dans la voiture, Max. Quelle indignité. Voilà, fais des crottes, enlever le. Fais gaffe qu'elle ment pas. Mais fais doucement, Max. Fais doucement. Tu veux que je fasse comment? Non, mais attends. Ça saute. Ouais, j'espère qu'elle te mord. J'espère qu'elle te mange les doigts. Non, rien, je vais la faire venir. Je vais la rebaisser. Oh non. Tu vois? Regarde comme elle est belle. I believe I can fly. Oh, elle est partie. Eh, on a fait une belle action. Ah, bravo. Bravo, Max. Oh, elle nous suit. Non. Ah, vous lui dites quoi?
La team, on se retrouve aujourd'hui, 7e tour de Coupe de France. Ça y est, on est déjà plus qu'à 2 tours des 32e de finale et potentiellement du coup de jouer une équipe de Ligue 1. En passé en plus justement avec le JDF, vous devez peut-être vous en souvenir, on avait perdu au 7e tour, on s'était déplacé pour affronter une équipe de N2, Agno. Même si à titre perso, ça s'était bien passé parce que franchement j'avais fait un bon match. Ça reste un souvenir quand même difficile parce que bah voilà, on avait perdu seulement 1-0. Très frustrant puisque je pense qu'il y avait carrément moyen de se qualifier. Donc j'espère que cette année, on va réussir cet objectif. Là, en plus de ça, au vu de la semaine, a priori, je pense qu'aujourd'hui, je devrais être titulaire. Ça serait ma vraie première à domicile cette saison, en plus contre une très belle équipe de N2. Du coup, je vais pas vous mytho. J'ai un petit peu la pression, j'ai envie de performer. Je vous l'avais déjà dit dans les précédents QDF, les deux matchs où j'ai été titulaire, c'était contre des équipes plus faibles en Coupe de France et à mon goût, je me suis pas trouvé assez bon. Et là aujourd'hui, contre, comme je vous ai dit, une équipe de la poule, franchement, je suis déterminé et j'ai vraiment envie de montrer ce que je suis capable de faire. Allez, bref, assez parlé, on a direct rendez-vous au stade, c'est parti. De France, 4e épisode, 7e tour. C'est la première fois dans l'histoire du club qu'on atteint ce niveau-là. Donc ça doit être quand même une fierté. Surtout, ça doit nous donner l'envie d'écrire encore plus l'histoire et d'aller le plus loin possible cette année dans cette compétition. On a mérité d'être là. Les 3 tours précédents, on a fait exactement ce qu'il fallait pour être ici. C'est une équipe, on s'en souvient, qu'on a battu 2 fois la saison passée. Donc mettez-vous à leur place. À mon avis, ils vont être très motivés. Donc préparez-vous à beaucoup d'intensité. Comment s'est déroulé votre parcours en coupe? On a été favoris sur le tirage à tous les tours. Franchement, on a joué le jeu à fond et ça s'est très bien passé pour nous jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, c'est notre niveau, c'est une N2 de notre poule, mais qu'on n'a pas encore joué. Il faudra mettre le même engagement qu'un championnat et pour passer ce prochain tour. On doit incarner l'esprit de la coupe et se prouver à nous-mêmes que ces valeurs-là, c'est aussi les nôtres. Et là, regardez-moi. Quand j'entends que la semaine passée, ouais, cette équipe, elle est incapable de se faire mal. Cette équipe, ceci, cette équipe, cela. Mais ça me fait mal. Parce que moi, je sais que ces valeurs-là, vous les avez. Alors peut-être on les met de côté parce qu'on parle d'autre chose. Et quand on me dit peut-être qu'on s'est trompé sur les hommes, j'y crois pas une seconde. Vous savez vous lever le cul tous ensemble quand il le faut, quand c'est dur, d'accord? Mais on est toujours là en coupe. Et dans 90 minutes, il faudra qu'on soit toujours là en coupe. Donc là, il y a une période de turbulence. Bah, c'est aussi dans ces périodes-là qu'on va voir qui on est. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est prêt à relever tous les défis? Est-ce qu'on est prêt à se mettre minables les uns pour les autres pour vivre de grandes choses? Ou est-ce qu'on veut passer à la trappe en plein hiver? Tac, on rentre chez nous, il va faire moins 15. C'est quoi le truc? Vous voulez quoi à la fin de ce match? Vous voulez quoi à la fin de cette saison? Vous voulez qu'on vive des choses importantes tous ensemble? Ou qu'on reparte chacun de notre côté, qu'on n'ait rien vécu? On se dise, ouais, les infrastructures, elles étaient bien à ton nom. Non, moi je veux que quand vous vous souveniez de cette fin de saison, vous dites, ce groupe-là, il est extraordinaire. Ce groupe-là, il était prêt à se lever les uns pour les autres. Qu'on vive quelque chose de grand, de très grand. Préparez l'impact. Jouez, Joe. Encore, jouez. Ouais. Encore. Voilà. Bravo, Val. Super, les gars. Bravo. OK. Voilà. OK. Super, Wahid. Ah, Val, en temps et en heure, ne joue pas avant, joue pas après, joue au bon moment. Tu mérites d'être là, ne surjoue pas, fais ce qu'il y a à faire, gagne tes combats, et c'est en gagnant tes combats que tu vas réussir à rentrer dans le match. Ça, c'est un vrai match pour te présenter, ok? Allez. Mais pourquoi je suis là? Pourquoi on est là? Est-ce que vous croyez en vous autant que nous, on peut croire en vous? J'espère que c'est le cas, les gars. J'espère que vous croyez au coéquipier qui est à côté de vous. Vous savez que pour moi, ça va être une année particulière. J'ai envie de vivre quelque chose de grand, avec vous, avec des mecs que j'ai choisis, avec des mecs que je vois vivre au quotidien et qui méritent, qui travaillent, qui sont respectueux, qui ont du talent, qui ont un potentiel énorme. C'est maintenant, ok? C'est maintenant. Allez les gars, bon match. Allez, on va se la chercher la Ligue 2, on va se la chercher. Hein. C'est bon les matchs, où tu vis ou tu meurs. J'adore, où tu vis ou tu meurs. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est parfait. C'est bon pour vous, ça. Allez, les gars.
envoi de ce 7ème tour de la Coupe de France, le Thonon et Vierge Genève reçoit Aubagne FC. Maudit, élimine les 5, joue long. Et le premier dégagement avec Modiba, ça sera très profond, très long pour la tête de Jordan Radovic, déviation de Shaibi qui va lancer maintenant Baptiste Clericia. Clericia au duel avec Silva, il aura l'apport offensif de Chico qui est à le centre. Une forme qui est prolongée par long. Katir. Katir dans la profondeur pour Cyril Kétir qui va garder ce ballon. Kétir toujours au duel avec Olivier Le Sueur. Kétir qui rentre à l'intérieur et il sera fauché par Walid et Safiani. Franc pour Amiri et Aubagne. Amiri, c'est parti. Dans les bras de Modiba. Allonge, allonge. Katir au duel avec Issa Kabamba. Issa Kabamba est passé. Il peut pousser ce ballon. Oh, un contre un avec le latéral Aubagne. Issa Kabamba maintenant le centre. Au deuxième poteau, il y aura la tête. Non, Didier Chaïli, ça sera long dans les bras. Silva avec Otsumo en protection. Il sera récupéré ce ballon par le TUGG. Et maintenant Jordan Radojevic. La faute de Fadi Katir qui écope d'un carton jaune. Quand c'est nous, c'est rouge. La même, le week-end dernier, rouge. Allez, Didier Chaïli, c'est parti. Ça sera fort au sol. Côté gardien, Bouton avec Caboré. Caboré qui parvient à garder ce ballon. Mieux même, il va trouver Mouton. Au duel avec Valentin Lénard. Et c'est une bonne défense du numéro 5 polonais. Amiri face à Wally Safiani. Attention, gros geste de Wally Safiani qui va écoper d'un carton jaune. Caboré qui récupère ce ballon. Il va trouver Viala sur le côté droit. Viala. Avec Caboré, une nouvelle fois Viala. Et c'est bien fait, le bon mouvement sur le côté droit. Du côté d'Oban, le centre de Viala pour Otsumo, remise sur Amiri. Et l'ouverture du score d'Oban, 1-0. Oban, on le sentait venir, qui est poussé sur cette défense tonnonaise. Et Amiri qui ouvre le score, tout logiquement, ça fait 1-0 pour les sudistes. Allez, Tchikoro Keita. Il est Shaibi en protection, c'est bien fait. Avec Wayne et Safiani maintenant. Et Safiani qui va trouver Baptiste Clericia sur le côté gauche. Clericia face à Silva, il va trouver Joanne Branger. Le centre de Joanne Branger au premier poteau. Il y avait la présence d'Issa Kabamba. Fadi Katir. Et c'est une bonne gestion de profondeur de Valentin Lienard. Le ballon récupéré par Thonon. Kevin Afogou. Avec Tchikoro Keita. On va repartir de l'avant du côté de la formation de Brian Bergugno. C'est bien fait. Une nouvelle fois, Wayle Safiani avec Jordan Radojevic dans la profondeur maintenant pour Mathis Kiricia. Bonne gestion de profondeur de Silva. Le jeu continue. Joanne Branger avec Tchikoro Keita. Tchikoro Keita le centre au premier poteau et ça va fuir jusqu'au deuxième avec Issa Kabamba qui arrive lancé. Et ce ballon finalement passera au-dessus de la cage de long. Jordan Radojevic avec Mathis Kiricia. On joue la 30e de jeu maintenant. Mathis Clericia qui rentre dans la surface. Clericia le centre. Bonne intervention de long. Allez, Fadi Katir qui recherche une nouvelle fois Cédric Otsumo. Cyril qui tire maintenant. La bonne intervention de Valentin Lénard. Le petit pont ensuite. C'est bien fait. Et il sera fauché par Cédric Otsumo. Valentin Lénard. Il va tout logiquement, le numéro 9, recevoir une intervention de l'arbitre central de cette rencontre. Balle, balle, est dedans là. Recule, va dans l'axe. Bouton qui prend ce couloir gauche comme il a l'habitude de le faire depuis le début de cette rencontre. La bonne intervention de Valentin Lénard. Bien joué, mon bal. Amiri. Amiri toujours. Le centre pour la tête de Cyril Kétir. Ce ballon passera au-dessus de la cage de Modiba. Valentin Lénard pour la touche sur Wayle Safiani. Olivier Le Sueur. Jordan Radojevic. On ressort propre ce ballon une nouvelle fois. Parti. Et ce ballon sera prolongé dans la profondeur pour Issa Kabamba qui a de l'espace maintenant pour jouer soit contre un Issa Kabamba. La frappe contrée par le bon retour de Caboré. Issa Kabamba au premier poteau, ça arrivera sur la tête de Jordan Radojevic qui passera au-dessus. Jordan arrache. Il manque juste la conviction sur tous les CPA, on est dangereux maintenant. Modiba. Demi.
Déviation de Jordan Radojevic, Valentin Lénard qui réussit à prolonger ce ballon pour Issa Kabamba. Issa Kabamba qui rentre dans la surface. Bamba face à Carbonero. Pour maintenant Joanne Branger la frappe. Capté par Long. Adikatir. Avec Long. Attention à ce dégagement en banqué. Il y a Chabi qui était venu presser pour contrer ce ballon, c'est la mi-temps entre le Toulon et Grand Genève et Aubagne. Aubagne mène 1-0 à la mi-temps. Dans l'état d'esprit, c'est très bien. Je pense qu'on peut aller encore plus dans le don de soi, dans le sacrifice. Mais c'est très bien. Par contre, les quelques points que je vais vous donner, il faut absolument les mettre en application parce que ça, ça va régler tous nos problèmes. Défensivement, c'est bien de mettre de la densité dans un couloir, mais il faut garder des distances. Et c'est à cause de ça qu'on prend le but. C'est quand on emmène couloir, il faut garder couloir. Sur l'aspect off, c'est à la récup, une touche si possible, et les trois premiers joueurs, c'est moins de deux touches. Et on sort de la densité. Et dernier point, c'est quand on met des centres, il faut qu'il y ait plus de monde devant le but et plus de détermination. Putain, les corners, chaque corner, mais vous me rendez fou. Vous arrivez, bon tempo, les frappeurs, excellent. Et là, on a toujours un joueur qui arrive, qui peut marquer, et on y va comme ça. De travers, on se tourne le dos. Mais vous avez peur de quoi? Mais enfoncez-les dans la cage! Allez chercher votre destin! On va sortir chez nous? Qu'est-ce qu'on veut? On va en rester là? Donc là, on en revient à ma causerie. On est dans la difficulté. Qui on est? Qui on est? Et je vous dis, vous avez largement les armes pour éclater cette équipe-là. Je vous le dis. Ok? Faites le taf en deuxième. Allez, le coup d'envoi de cette deuxième période donnée par Ilyes Shaibi. Tikoro Keita, le centre pour la tête de Fadi Khatir. Ça va revenir jusqu'à Ilyes Shaibi qui s'est excentré sur le couloir droit. Ilyes Shaibi, le centre pour la tête de Jordan Radojevic. Une nouvelle occasion pour le TGG dans l'entame de cette deuxième période. Bien joué Ilyes, bien joué Joe. Faut arriver lancer Joe. Si t'arrives lancer, tu vas leur faire mal. Demande à distance. Vous demandez pas la distance. Attention maintenant Cyril Khétir qui est lancé. Il sera stoppé par Wayne Safiani. Et attention parce que Wayne Safiani a déjà un carton jaune. Et ça sera le deuxième qui sera donné. Wassim, Wassim. Qu'est-ce que tu veux faire? On bouge rien, Matisse ici à piston. Oui, qui tu sors? Wassim. Ici à piston droit. Matisse qui se rapproche d'Ilyes. Matisse, viens voir. 3-4-2. Rapproche de Ilyes. Mais ça veut pas dire que tu veux pas retrouver ton couloir, d'accord? Allez, sois pas frustré. Val, je vais Val. Mathis, joue à droite toi et Ilyes à gauche. Comme ça, tu peux alterner avec Issa. Allez, Kevin Afougou, la tête de Silva. Amiri qui dévie ce ballon pour Ilyes. Viala. Viala toujours qui va lancer Amiri, qui n'est pas suivi. Amiri le centre pour Cyril Khétir. Mathis, pour qui tu penses là dans un premier temps? Soit Joanne, soit Issa. Après aussi, il faut penser qu'au pénalty, tu vois. Il faut aussi garder des joueurs qui vont mettre les pénaltys. Rivière avec Amiri. Amiri qui est très en vue depuis le début de cette rencontre. Amiri qui crochette à Madi, qui est repassé à Amiri, qui continue son festival, qui va rentrer dans la surface pour Esteban Mouton. Quel arrêt de Modibac. Bien joué, Modi. Ça vient, Jo, ça vient. Bien joué, Ilyes. Ah, ici, à moi, passe devant. Issa Kabamba pour Baptiste Pirichien. Et c'est bien partout. Le TEGG qui parvient à revenir à égalité avec cette réalisation magnifique de Baptiste Pirichien et ce contre rageur pour le TEGG. Ça fait un partout. Le TEGG n'a pas mis son dernier mot dans cette rencontre. Et égalise à 10 contre 11. Gardez l'équilibre. Ne voulez pas gagner le match absolument. Le but, c'est pas prendre de vagues. Parce qu'ils savent faire. Hein. Baptiste, ici. On va mettre Matisse à droite là-bas. Baptiste, ailier gauche, 4-4-1, d'accord? Viens bien aider Tcheko. Fais le taf des. Allez, bat. Allez, Caboret avec Viala. Amiri. Amiri qui va décaler Caboret.
qui c'est cette équipe toulonnaise. Viala, Caboret, attention à cette faute de Matisse Léricien et ce coup de coude. Attends, alors, attends. Change, inverse. Matisse. Sur l'arbitre, on va changer parce qu'il vient de prendre un jaune, du coup. Et donc, la sortie de Matisse Léricien qui vient de recevoir un jaune, qui va céder sa place à Baptiste Mako. Olivier Le Sueur avec Wassim Mamadi. Ici à Kabamba. L'autre côté. Qui rentre à l'intérieur et qui va effectuer ce beau renversement. Bon, il va trouver la tête de Silva. Et bien sûr de Shaibi. Fadi Khatir qui perd sur le ballon. Attention, il va être récupéré par Ilyes Shaibi. Shaibi va dans le centre pour Issa Kabamba. Le centre gagnant pour Ilyes Shaibi, le TGG. Ilyes Shaibi ne peut pas marquer. Donc il se transforme en passeur décisif pour Issa Kabamba. Passeur tout à l'heure sur le but de Matisse Clericia. Ça fait donc 2-1 pour le TGG qui prend l'avantage pour la première fois dans cette rencontre. Pas de risque, le terrain devient de plus en plus compliqué. Bien joué Elias. Bien joué Issa. Solide et on aura des comptes. Il a des crampes Issa. Pascal Issa, 3-4-2 alors. Elias Pascal devant. Wassim piston droit, Baptiste piston gauche. Pascal, ailier là-bas pour l'instant. Très beaucoup d'efforts d'air. Carbonero qui tente de dévier ce ballon à Thibaut Viala. Va Baptiste. Pour Okeita, pour Baptiste Mako. Ballon du 3-1. Baptiste Mako qui est passé sur ce passement de jambe. Le centre, l'arrêt de long. Finalement, Jordan Radojevic. Encore pressé sur ce coup-là. Ouais, Johan. Gomis pour Kyoto qui vient d'effectuer sa rentrée en jeu. Kyoto au duel avec Jordan Radojevic. Ce ballon sera perdu. La frappe de Raphaël Kyoto. Et libéré à la récupération. Où elle a failli couper Modiba. Cette frappe qui partait en lucarne. Fadi Khatir. Avec Otsumo, la tête de Tiko Okeita, Amiri, Otsumo, ce ballon reste en l'air, il va être remis au sol par Raphaël Kyoto. Kyoto avec le sueur, oh là là, c'est chaud ce ballon qui va revenir sur Gomis. Oh, la reprise de volée de Gomis, ce ballon qui était cafouillé dans la surface de Tono, et ce centre gagnant. C'est rien, on va passer au pénal. Allez, Jordan Radojevic qui va dégager ce ballon très long. La tête de Carbonero, Joanne Branger avec Pascal Lelo. C'est peut-être la dernière. Il est Chagui qui est retenu juste à l'entrée de la surface. Par Thomas Carbonero. Penalty ! Un beau coup franc à venir pour la formation toulonnaise. Allez, Ilyes Shaibi pour faire la différence dans les arrêts de jeu. Ilyes Shaibi, ça passera au-dessus de la cage de long et on en restera là. Ça sera une séance de tir au but maintenant qui va arriver entre les deux formations. On est putain de fiers. Maintenant, tireur, dites-moi. Ok, Johan en premier, deuxième, Pascal, Baptiste en trois, Jordan quatrième et dernier, Ilyes. On prépare déjà la suite. Olive, 6. Ouas, Tcheco, vas-y, Ouas, Tcheco. Allez, Wassim et Tcheco. Venez là maintenant, allez, venez. Maintenant, il n'y a que la suite qui compte. Oubliez tous le match, allez-y avec beaucoup de détermination et beaucoup de confiance. Et quoi qu'il arrive, dites-vous bien qu'on est avec vous. Et que s'il y en a un qui doit rater, on s'en bat les couilles. Je suis persuadé qu'on va passer ce tour. On a maudit. C'est un lion. Il va sortir les trucs. Allez les gars. Maudit. J'ai besoin de toi. Tu sors tout. Tu fixes le ballon et tu le manges le ballon. Ok Maudit, allez. Allez les gars, allez. C'est Obagne qui va, avec son premier tireur, le numéro 9, Cédric Otsumo, effectuer le début de cette séance de tir au but. Allez, Cédric Otsumo face à Modiba et ça fait 1-0. Bien joué Modi. Et c'est Joanne Branger qui va s'élancer maintenant. Allez, Joanne Branger, c'est bien tiré dans la lucarne droite du gardien Aubagné. Un partout. C'est parti et c'est bien tiré en contre-pied. Il n'y a rien à dire sur ce tir au but. Allez, ballon maintenant pour Pascal Leno, le numéro 17 qui était rentré tout à l'heure dans la rencontre. Pascal Leno face à Long. Ça
ça va être l'image du match. On n'a d'abord pas l'avantage et on va finir par... Aubagne reste à 2-1 et donc Tonon manque sa situation de 2 partout. Et c'est maintenant Caboret pour faire le break. Et c'est contre-pied parfait. Allez, Baptiste Macon qui va s'élancer dans quelques instants pour revenir à 3-2. Baptiste Macon face à Long, c'est parti et c'est magnifiquement bien tiré. Et donc il vient donner de la force à Modiba. Allez, Amiri face à Modiba. Amiri, c'est parti. Il est une nouvelle fois parti du bon côté Modiba, mais ça ne suffira pas pour l'instant. 4-2 pour Aubagne. Jordan Radojevic, et c'est passé. La puissance de cette frappe était suffisante pour que ce ballon rentre. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, c'est au tour de Tafni, le numéro 12 aubagnais. Et ça sera la barre. Ça sera la barre pour Tafni. Ça fait 4-3. Revenir avec ce pénalty d'Ilyes Chaibi à venir face à Long. Allez, Ilyes Chaibi, et c'est parti! Et c'est un pénalty gagnant! Allez, Modi, allez! Ça fait 4 partout maintenant entre Tonon et Aubagne. Allez, 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 allez! Et l'arrêt de Modiba! Il restera un tir au but pour le TGG et cette fois-ci pour se qualifier. C'est parti! Et ça fait 5-4! Le TEGG s'impose face à Aubagne au tir au but, au forceps. Le Tonon et Vivre Genève passe pour le 8ème tour de cette Coupe de France face à un adversaire qui était redoutable. Aubagne, ce match a été spectaculaire. Tonon a été réduit à 10, mais Tonon n'a rien lâché. Tonon a montré du caractère et Tonon se qualifie pour le 8ème tour de la Coupe de France. Tous les week-ends, comme je vous l'ai dit cette semaine, et je sais que vous allez faire une fois, est-ce que vous êtes capable de faire 2, 3, 4, vous avez ce niveau-là pour le faire. Donc je suis content qu'il y ait tout le monde, que vous partagiez tout ça. Voilà, félicitations, encore beaucoup de chemin, j'espère que ce sera un début, j'espère que ce sera une amorce de ce que vous êtes capable de faire, parce que je sais en plus qu'il y en a encore sous la pédale. Très content de ce qui est déjà été fait, dans les conditions dans lesquels ça a été fait. Mais en tous les cas, je sais que vous avez un pourcentage en dessous de la pédale que bah, je vais vous pousser en tout cas pour vous aller chercher parce qu'on a des choses à aller faire ensemble. Et, dès l'instant, on est en mode mission. Et là, j'ai vu une équipe en mission. Si vous réitérez ça à chaque match, là, on verra, on fera les comptes ensemble. Et vous... Pour vous, le constat pour moi que je vois, on a une ambiance sympa. Vous
vous avez un staff, pour moi, que je trouve extraordinaire. On n'a pas les résultats qui vont avec. Moi, je considère aujourd'hui qu'on a un club sympa. Moi, j'aime pas quand on me dit que je suis sympa. Ça me vénère. Là, c'est le monde professionnel. Et au travail, parfois, faut pas être sympa. Et ce que je vois pas chez vous, les gars, c'est de la méchanceté. Si ce soir, on se plante, le Toulouse de maintenant, c'est nous dans 2 semaines. Et quand les gens vont venir nous voir, ils vont dire « Ah, on joue contre les derniers ou l'avant-dernier ». Donc ici, là, tout le staff, c'est que des gagnants. Et là, je vois que des gagnants. Je veux des mecs méchants sur le terrain. Des mecs en balle, d'accord ? Parce que vous avez le talent. Vous allez les manger, ok ? Allez, 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 allez.